Bonjour à tous les amis, c'est Aplo, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, on est samedi 6 juillet, petite mise à jour pour vous, petit update autour de GTA Online et de Red Dead Online, puisque vous le savez, cette semaine, avec la fête du 4 juillet chez les Américains, eh bien, on a également eu, Rockstar nous a offert, donc, enfin, nous a proposé un partenariat avec Twitch Prime, et donc beaucoup de personnes l'ont fait, et donc en ce début de semaine, ils sont tous liés leur compte Social Club avec leur compte Twitch Prime, et donc les bonus ont commencé à arriver. Alors déjà, on le voit sur cette image ici, quand vous connectez à Red Dead Online, on vous parle de ça, voilà, on vous dit justement que vous pouvez lier les comptes, et que vous avez toute une liste de bonus qui vont arriver, d'accord, et qu'on a donc jusqu'au 19 juillet pour faire tout ça. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo de cette date du 19 juillet qui est un vendredi, donc un peu une date bâtarde. Pourquoi un vendredi, pourquoi pas un jeudi ou un mardi, enfin voilà, on sait vraiment pas, c'est en fin de semaine, donc c'est possible que justement donc ce DLC arrive soit le 10 juillet, mais ça me paraît encore un peu tôt, ou alors il stoppe ça le 19 juillet et justement la semaine d'après tout se met en place. Quoi qu'il en soit, tout le monde a commencé à recevoir donc ses $300 sur Red Dead Online et ses 1 250 000 sur GTA Online. Sauf que, je vous montre ici le petit tweet de notre ami Thèse, toujours sur Twitter, lui, il a reçu deux fois le bonus, d'accord? Donc, il a reçu 2 500 000 GTA dollars. Donc, il dit, voilà, est-ce que c'est une erreur? Dans tous les cas, merci Rockstar. Et alors, donc, j'ai regardé un petit peu tout ça. Et eh bien, mon pote Duby, lui aussi, m'a confirmé, m'a dit, bah écoute, moi aussi, j'ai reçu deux fois 1 250 000 en se connectant. Alors, c'était à un jour, quasiment deux jours d'écart. Donc, voilà, est-ce que c'est une erreur de la part de Rockstar? Ou alors, est-ce que, eh bien, c'est un cadeau supplémentaire? Est-ce qu'ils sont en train de soit de faire vraiment un cadeau pour le 4 juillet? C'est-à-dire que tous ceux qui avaient linké leur compte, eh bien, ils avaient eu les 1 250 000 et Rockstar s'est dit pour le 4 juillet, c'est la teuf les gars, la fête nationale américaine, on vous file le double parce que tout ça c'est arrivé, et bah oui, dans la journée d'hier, donc peut-être que le 4 juillet Rockstar aurait fait ça exprès justement et aurait donné eh bien tous ces cadeaux en plus. Également les amis, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires des vidéos, Aplos regarde devant dans un conteneur vert juste devant le casino, eh bien il y a une affiche sur laquelle on peut lire 11-07. Effectivement, alors j'ai cherché un peu, je voyais, je fais un peu le tour. Je vous montre l'image. Effectivement, il y a écrit 1-11-07. Alors, est-ce que ça veut dire que le DLC arrive le 11-07, le 11 juillet? Alors, très honnêtement, non, parce que nous, pour le 11 juillet, on va dire 11-07. Voilà. Aux États-Unis, c'est l'inverse, ils mettent le mois avant. Donc, pour eux, si c'était vraiment un leak et que ça voulait dire, ou si c'était un petit cadeau de Rockstar pour dire, les gars, c'est la date de sortie d'ouverture du casino, eux, ils auraient mis 07-11, d'accord? Ils auraient mis juillet le 11, et non pas le 11 juillet, voilà. Donc, ça, à mon avis, franchement, voilà, c'est marrant, c'est un peu un hasard, puisqu'on est, enfin, c'est pas trop un hasard, enfin, on est en juillet, donc on se dit, ouais, ça va être ça, en fait. Mais honnêtement, très honnêtement, les gars, là, je pense que c'est pas ça. Et je pense même que ce container, il était comme ça avant et que ce 1-11-07, il indique absolument rien du tout. Voilà les amis, petite mise à jour assez rapide aujourd'hui pour vous tenir informé de tout ce qu'il s'est passé dernièrement sur GTA Online et Red Dead Online autour de ce DLC Casino qui arrive. En tout cas les amis, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et je vous dis à très très vite. Ciao !